commence. Bon. Ok. Nous avons eu l'illustration, une fois de plus, que ce conflit était un conflit complexe, difficile à résoudre, avec toute une série de questions et de problèmes qui s'emboîtent les uns dans les autres, qui ont à la fois des dimensions économiques, essentiellement politiques, et aussi avec une dimension religieuse. Ceci étant, sans voiler la face, sans être d'un optimisme excessif, cette situation est une situation d'ordre politique. Et je crois toujours que fondamentalement, ce qui était fait par la politique peut être défait par la politique ou changé par la politique. Et voilà, c'est notre intérêt à nous, Européens, de nous mêler de ce conflit. Je pense que la politique de John Kerry, qui a remis les partenaires en négociation, et j'ai envie de dire, puisqu'on n'entend rien, c'est que probablement ils négocient, puisqu'on a dit que les négociations étaient secrètes. Je pense aussi à l'interpellation de John Kerry à la communauté juive américaine, à l'American Jewish Committee, qui dit que c'est de la responsabilité, dans la foulée de la déclaration d'Obama en Israël, qui dit que c'est de la responsabilité de la communauté juive. Lui, il interpelle la communauté juive américaine, mais ça vaut pour les différentes communautés juives européennes. D'être attentive et de faire valoir leurs opinions, parce que sans l'opinion publique, les dirigeants s'endorment. Merci.